suis agriculteur, donc maraîcher bio à Saint-Georges-Butavant. J'ai fait un lycée agricole au Lecta Angers-Lesfraines, donc dans un lycée horticole. Après, j'ai passé un BTS en gestion et protection de la nature. J'ai pas eu du tout de formation en maraîchage biologique. Donc avant de commencer à créer cette production, j'ai commencé sur une petite échelle. En 2011, du coup, j'ai créé mon entreprise. La création d'entreprise en milieu agricole, c'est un long chemin de bataille. Enfin, faut pas se décourager, faut y aller. Et l'agriculture biologique va vraiment embaucher beaucoup de monde. Donc voilà, ça peut être passé par une phase de salariat pendant quelques années, et puis avec le temps, intégrer la structure, quoi. Ce que j'aime en premier lieu, c'est pouvoir créer, pouvoir donner vie à une production, à une vente. Le fait d'être son propre patron, on gère son temps, on gère son travail et on le fait comme on l'entend. Dans le contexte dans lequel on vit, où tout se mondialise, revenir au local, c'est revenir à l'essentiel. Les gens veulent savoir où sont produites les choses et aussi comment. Et vous pensez que l'agriculture biologique a de l'avenir? Il n'y a pas d'avenir sans agriculture biologique, pour moi. C'est un choix, ouais, moral, éthique. Nous, c'est ça notre responsabilité en tant qu'agriculteur, c'est qu'on a un impact direct sur l'environnement. En s'orientant vers la qualité, vers le bio, on peut vendre nos produits à un prix qui nous permette de vivre, en fait. UNAMAP, c'est une association pour le maintien d'une agriculture paysanne. Donc à la base, UNAMAP, ça part vraiment d'un groupe de consommateurs qui veut soutenir une activité agricole bio et de taille humaine.